avant que je m'implique véritablement dans la photographie, il était difficile de trouver le matériel ici. Aujourd'hui, vous pouvez commander un appareil ce matin et dans 2-3 jours, vous recevez l'appareil. Mais dans le temps, ce n'était pas possible. Il fallait forcément trouver quelqu'un qui est en Europe, avec tous les risques que ça comporte, pour que ton appareil arrive et dans quel état et quel type d'appareil. Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, le fait que les grandes firmes commencent à s'intéresser à l'espace ivoirien et même l'espace africain, c'est une bonne chose. Parce qu'ils permettent désormais aux utilisateurs d'être en contact direct avec eux. Et ça évite énormément de choses. Selon le rapport de la Digital Quality of Life Index paru en 2021, la Côte d'Ivoire classée 10e du top 20 des pays africains où l'expérience numérique est la meilleure renforce ses actions en faveur du secteur numérique ivoirien afin d'être la porte d'entrée principale dans ce domaine pour le continent africain. Une approche qui séduit les géants mondiaux et contribue de manière significative à l'économie ivoirienne.